C'est vrai que pour trouver les automatismes, il faut du temps. Okay, là, je suis dans une phase où vraiment j'ai élargi mon groupe pour justement anticiper les départs qu'il peut avoir en septembre. Donc, on est dans l'obligation de faire 3 matchs, et ça, c'est une très bonne opportunité. Chaque match aura une équipe différente, voilà, pour donner cette opportunité pour me convaincre, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des doutes. Il faut féliciter les joueurs, pas être négatif tout le temps. Gagner, c'est pas donné à tout le monde, hein. Vous pouvez jouer contre le Niger ou contre le Congo. L'essentiel à la fin, c'est les 3 points. Certes, il y a des choses à progresser, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que voilà, on mette en avant la qualité des joueurs. Parce que ça fait un bout de temps, des années, des décennies qu'on parle du joueur Mahalli, il faut lui donner la chance, nanani, nana. Et quand c'est un match de A', ben là, ça fait 10 jours, personne n'en parle. Personne ne parle des joueurs sélectionnés. Personne ne parle de la qualité. Les gens, ils parlent juste des gens qui ne sont pas sélectionnés. Donc, donnez la force à ces joueurs parce qu'ils méritent. Et nous, on veut élever le niveau du joueur local. Donc, ça passe par vous. En parlant aussi positivement des joueurs. Après, moi, c'est pas un souci. On peut parler tactique, c'est une très bonne question. Ouais, c'est sûr, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été l'opportunité de et se préparer en mode Cham. Parce que Kinilabou, au mois de janvier, on va jouer devant des stades pleins. Donc, moi, je veux mettre les joueurs dans ces conditions-là dès maintenant. Surtout que depuis que j'ai pris mes fonctions, on n'a jamais joué devant des supporters. Et moi, je pense que mes joueurs ont besoin de cette pression-là. Qu'elle soit positive ou négative, c'est comme ça qu'ils vont grandir. Parce qu'on va être sous pression au mois de janvier, on va jouer chez nous. Et en termes d'organisation, après, Non, vous avez trop. moi je pense que ouais, un grand manque de communication pour les supporters pour ce match-là. Donc on rejoue le 9, il faut qu'ils viennent. Voilà.